Le RHDP du président Alassane Ouattara reste la première force politique du pays. Avec 137 sièges sur les 254 qui étaient à pourvoir lors des élections de samedi, le parti au pouvoir remporte la majorité à l'Assemblée, même si le pouvoir espérait une avance plus large. Ce scrutin a été marqué par la participation de la quasi-totalité des partis et il voit le retour des élus pro-Gbagbo au Parlement. Les derniers résultats annoncés hier par la commission électorale ont d'ailleurs été favorables aux opposants. À Abidjan, pour RFI, François Mazet. Avec moins de 10 sièges de marge sur la majorité absolue, le RHDP n'a pas rempli la mission confiée par le chef de l'État, renforcer sa majorité à l'Assemblée pour appliquer son programme. Les résultats des communes Yopougon, Port-Bou et Marcory d'Abidjan sont défavorables au RHDP. Dans la première, c'est une perte de 6 sièges pour le parti au pouvoir, devancé d'un souffle, 450 voix, par la coalition EDS-PDCI qui avait fait de Yopougon une priorité symbolique. Dans les deux dernières, le PDCI conserve la mainmise, même si ce fut plus serré à Port-Bou qu'à Marcory. Ces députés permettent aux partisans d'Henri Conan-Bédié et de Laurent Gbagbo d'atteindre 81 élus, soit près d'un tiers de la Chambre. L'autre plateforme d'opposition, EPB, formée autour de Pascal Affine-Guessant notamment, doit se contenter de 10 élus, 4% des sièges. 26 indépendants sont par ailleurs parvenus à l'emporter dans leur circonscription, soit plus de 10% du total. La participation, enfin, ne progresse que de 3,5 points par rapport à 2016, 37,88%. Preuve que si la campagne a été ouverte et calme, il en faudra davantage pour convaincre les Ivoiriens de retrouver le chemin des bureaux de vote. François Mazet, Abidjan, RFI.